Le Centre d'études et musées Edmond Michelet à Brive propose une exposition sur le procès de Nuremberg. Cette exposition est réalisée par le Mémorial de la Shoah. Que s'est-il passé à Nuremberg ? Le 20 novembre 1945, s'ouvre ici le procès des principaux responsables du régime nazi. C'est à Nuremberg qu'est apparue la notion de crime contre l'humanité. Les acteurs ont étayé les documents écrits avec des images et ils ont filmé le procès pour la mémoire collective. C'est la première fois que les Alliés ont réussi à s'entendre pour juger les criminels nazis. Ils ont ainsi donné naissance au droit pénal international. Cette exposition est ouverte à tous jusqu'au 16 avril 2016. L'entrée y est gratuite. Les scolaires en particulier sont invités à découvrir cette page de notre histoire. Le Centre Edmond Michelet vous propose une exposition permanente sur Edmond Michelet et 3 ou 4 expositions temporaires par an.